Bonsoir tout le monde, c'est Kazuki. Et ce soir, on continue l'aventure Witcher 3 Wild Hunt. Mais cette fois-ci, on a fini le jeu de base et on va se lancer ensemble l'extension Hearts of Stone. Donc désolé Munch, on ne part pas encore dans les belles contrées de la Toussaint. On va les faire dans l'ordre de leur sortie chronologique. Donc là, on va commencer. Hop. La quête d'entrée de Hearts of Stone qui nous demande d'aller rencontrer. Hop. Alors, je sais pas si on va voir directement le baron ou. Normalement, j'ai déjà pris la quête. C'est il faut aller tuer un monstre dans les égouts, il me semble. D'ailleurs. Monstre qui est assez badass, quand on sort de la traque sauvage, de la chasse sauvage, on se dit ouais c'est bon, on va rouler sur tout le monde. Et on se fait quand même rouler dessus par ce premier monstre dans les égouts. Donc on va voir là, si on va pas trop se faire rouler dessus. Ouais donc c'est ça, ouais, les premières caresses du mal. Il faut aller voir Holger Van Evreck à propos du contrat. Donc par rapport à hier, on va faire un petit topo. On a fini le jeu de base. Donc je suis niveau 35, donc je suis capé au niveau des compétences, je peux encore dépenser des points pour changer des builds. Donc on est à 140 heures de jeu, voilà 140 heures de jeu, on attaque la première extension. J'ai monté tout mon stuff à maître de l'école du loup, comme vous pouvez voir. Tout à mettre. Vraiment, j'ai pas meilleur stuff. Hein. Le poids, c'est 100. La panique, c'est 60. Et la vigueur, c'est 80. Normalement, dans le jeu de base, il me semble qu'il n'y a pas mieux. Maintenant, il me reste à débloquer les grands mètres pour activer les effets de 7. À mettre, les effets de 7 ne sont pas activés. Et aussi aller voir l'enchanteur, parce qu'avec cette première extension, Hearts of Stone, on verra que... Ah bah d'ailleurs, on va y aller en premier, tiens. Vu que la quête est accessible, on va vous montrer l'enchanteur. Donc les quêtes sont bleues, sont faciles à reconnaître. Là, tout ce qui reste, c'est des quêtes de Gwent. Ou de Gwen, ça dépend comment vous le prononcez. Il me manque 3 quêtes à faire pour finir le jeu de base. On les fera peut-être ce soir. Il me manque la tour surgit de nulle part, qui est plutôt sympa. Et il me manque 2 contrats que j'avais laissés. Et maintenant, j'ai le niveau quoi. Frère disparu et Oxenfurt. Normalement, en plus, on ira. Mais là, on va voir l'enchanteur. On peut voir que l'enchanteur est quand même bien perdu ici. Donc, on va TP là. Hop, on va lever le chat pour l'instant, il n'y a personne. Hop, voilà. On va pas gâcher un si joli chat. Alors, ça c'est bon. On peut voir que l'armure à mettre, le skin a changé par rapport à avant. On peut voir que le skin est vraiment sympa à mettre. Même les épées sont à mettre. Voilà. Les épées du loup sont vachement sympas. Ah, on est parti pour Hearts of Stone. Une extension que j'ai bien aimée, malgré que les gens ont un peu critiqué cette extension-là. Moi, je l'ai trouvé plutôt sympa. Après, c'est vrai que voilà, Blood and Wine met quand même un cran au-dessus, mais j'ai envie de dire dans son intégralité. The Witcher 3, maintenant vous l'avez de toute façon en compite édition, donc vous n'avez pas besoin, c'est tout est cadeau.
le jeu ultra complet. Vous voyez qu'on est à 140 heures. Et honnêtement, je pense qu'on va dépasser les 200 heures en live. Pas en live, mais il y a certaines quêtes annexes, peut-être je le ferai pas en live comme pour la quête principale. Mais voilà, je suis sûr que je dépasserai les 200 heures de jeu, moi. Et pour ceux qui sont intéressés ou qui voudraient découvrir l'aventure, vous avez les replays de disponibles. Salut à toi, Slan. Il va falloir que je remette le chat. Hop. Hop. Château fraîche. On pourrait croire qu'on arrive à la Toussaint, mais non. Il y a des vignes, mais... Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau dans le coin? Et poulet. Le son est bon, Aslan? Y a pas de souci. Comme d'habitude, je compte sur toi. Tu me fais un retour, comme ça on est tranquille pour tout le live. Excusez-moi, madame. Je vous avais pas vu. Vos yeux de reptile me font pas peur. Oh, des yeux de reptile. Tu peux dire des yeux de chat, c'est plus sexy quand même. Ok, merci Aslan. Bon. Il va falloir que je m'habitue aussi bientôt. On va se retrouver quelque chose sur le coin de la gueule, un pas longtemps. Pour ceux qui ont fait le jeu, vous comprendrez quoi. Ben, des fois, c'est que je change rien, si tu veux, mais il y a... Alors, ça me l'a fait 2-3 fois. Et il y a une espèce de décalage de son et le son du jeu qui est pas capté normalement, alors que je n'ai changé aucun réglage, quoi. Et en fait, il faut juste que je branche et débranche la Switch et la Vermedia. Des fois, c'est un faux contact entre les deux. C'est pour ça que je demande à chaque fois. Parce que les setups, je ne change pas, hein. Mais des fois, il y a des problèmes de son. À cause de... Je sais pas. Un bug dans la capture, quoi. Et ça arrive à... Ça m'est arrivé quelques fois, quand même, un bug de capture. D'ailleurs, juste avant le live, j'ai tué un griffon, niveau 48. C'est dommage que je vous ai pas montré. Niveau 48 alors que je suis niveau 35, hein. J'ai vraiment galéré, j'aurais dû le filmer pour le coup. Si je voulais un peu clean les deux trois quêtes qui me manquaient. Non, le nouveau jeu Star Wars, lequel tu parles du dernier? Non, je l'ai pas testé. Il paraît qu'il est pas mal, un peu avec un gameplay à la Souls, quoi. Le Jedi, ouais. J'en ai eu des très bons retours. Après, je suis pas un grand fan de Star Wars, moi, donc... je me jette pas sur la licence. Je ferai le jeu, mais plus tard, quoi. Sur PC, il est gourmand ou pas? Ou c'est raisonnable la consommation? Parce que le jeu graphiquement il a l'air joli mais pas fou, quoi. Après je m'inquiète pas trop avec le PC que j'ai, mais... Peut-être sur ma deuxième config, parce que j'ai deux configs, hein, ça sera peut-être un peu plus juste. Bonjour. Bonjour. Jetterai volontiers un coup d'œil. Non, il a rien. Par contre, on va lui vendre du blâme. Ah, il tourne bien. Il tourne à 60 sans trop...
T'as quoi comme carte graphique, toi? Comme config? Je ne sais même pas si on en a déjà parlé, ta config. Putain, j'ai encore des oreilles et des thunes à changer, moi. Bon vin. Et voir que la thune que j'ai économisée aussi pour l'enchanteur, ça va m'être bien pratique. T'as une 1070, ouais. Par contre, moi, sur ma deuxième config, j'ai une 1060. Sur cette tour-là, ça va, y a pas de souci. L'autre, ça sera peut-être un peu juste sur ma deuxième config. Hein. Parce que sur ma deuxième config, j'ai du i5 8e génération. Avec une 1060. 1060 6Go, quand même, c'est pas la 4. Hein. Mais on verra, ouais. Parce que j'ai deux configs. C'est vrai que l'autre, en 3 écrans, hein, j'ai racheté 3 écrans pour l'autre config. Les jeux classiques ça va, tu vois du Witcher 3 je fais tourner en 3 écrans, y a pas de soucis, mais c'est vrai que les jeux récents, une 1060, bah là-bas je l'avais pas pris pour faire du gaming, là je l'avais pris vraiment pour faire du YouTube quoi. Mais ça sera peut-être un peu juste pour faire des jeux quand même. Verrouillé. Alors qu'est-ce qu'il y a de beau sur le panneau? Alors, Rethammer pas cher, salutations, mon nom est Christer Egen, Rethammer. J'ai ouvert boutique à Morinde, chez un certain Shark, qui me loue une chambre. N'hésitez pas à passer, je vous garantis un travail irréprochable, un prix imbattable. Gomez et frères, des menuisiers. Travail rapide et de qualité, meubles façon Novigrad. Allô, allô, sachez qu'un malandrin sévit dans les parages. Ah, il demande de l'aumône en se faisant passer pour un héros de guerre qui a perdu un rein. Il y a 2 jours à peine, je lui ai offert le gîte de bon cœur. Le lendemain, j'ai constaté qu'il avait vidé mon garde-manger et bu jusqu'à la dernière goutte de mon vin. Gare au chevalier en armure rouge. Un fléau s'est abattu dernièrement sur notre comté plus vil que le plus vil des vermines. Des chevaliers renégats de l'ordre de la Rose Ardente. Oh putain, la Rose Ardente. Ouais, ils reviennent. Alors, bonne gens sur l'ordre de l'honorable Sir Siegfried de Lorne. Tous les villageois de la région sont tenus de payer un impôt. Alors, mon apprenti a disparu. Ah, ça c'est une quête par contre. Quiconque le trouvera reçoit une bonne... Hop, voilà. Le processeur, ça joue, oui. Ça dépend comment il code les jeux. Mais le processeur, ça joue, ouais. En général, c'est plus le GPU qui joue, mais... Ça peut quand même jouer. Surtout par exemple quand t'es comme moi, que tu streams. Quand tu streams un jeu et que tu... avec OBS et tout, ça consomme des ressources. Et là il te faut quand même un bon CPU. Mais de base, normalement, si t'as un bon i5 encore à l'heure actuelle, de 8ème génération, ça passe quoi. Quand voilà, si t'as un processeur qui est un peu vieux, ouais, ça peut être un peu problématique. Hein. Liste de mariage. Maintenant ils codent plus les jeux, ils les codent avec le cul, faut dire, sur PC. Des fois t'as des jeux comme les Witcher, c'est bien codé, mais des fois t'as des jeux, ils bouffent des ressources de malade. Je pense notamment à Resident Evil qui est très mal optimisé niveau CPU. Le jeu est graphiquement pas formidable du tout et il bouffe énormément de ressources par rapport au rendu graphique, hein. Et surtout du CPU, étonnamment.
par exemple, tu vois, du 3 écrans sur Witcher, il n'y avait aucun souci. Faire du 3 écrans sur Resident Evil, je pouvais pas. Après, le jeu n'était pas optimisé, c'était des tricks, etc. Mais le moteur de Capcom était bien pourri, quoi. i7, 6ème génération, oui, c'est très bien. C'est pas si vieux que ça. Là, on est à quoi en génération? On est à la 9 ou 10ème génération, je sais plus. Là, faut dire que je commence à avoir des AMD, moi, de nouveau. Ça faisait un moment que j'étais chez Intel. Mais là, je pense qu'avec les Ryzen, je vais passer sur de l'AMD sur ma prochaine config. Ils font des bons processeurs et beaucoup moins chers maintenant. Ils ont bien remonté. Oh les vaches! Liste des morceaux, c'est quoi ça? Liste des morceaux qui seront joués à la demande du futur marié. Et je me demande si c'est pas le fameux mariage qu'on assiste dans Heart of Stone d'ailleurs. Je me demande si c'est pas ce fameux mariage. Si c'est ça. C'est ici. Et vous verrez pour ceux qui vont suivre le live. Mais on le verra pas ce soir, je pense, le mariage. C'est avec Shiny, donc un petit moment avant qu'on le fasse. Mais on reviendra ici, pour la quête principale. On voit qu'il commence à poser les décorations. C'est ça qui est bien, on voit le jeu vraiment qui évolue en tant que nous au niveau du scénario. C'est très, très complet. Hein. Et je rappelle, on est sur de l'extension. Là. Il y a des éditeurs qui n'hésitent pas à... avec certains développeurs à nous faire payer juste des skins, tandis que là on avait vraiment des extensions avec vraiment du gros contenu. Non, je pensais qu'il y avait un petit coffre. Pas. Excusez-moi madame. Alors qu'est-ce qu'on a fait pop sur la map? On a dû faire pop des points d'intérêt, ouais voilà. Vous voyez? Toute cette zone qui vient de pop là, c'est l'extension. C'est Heart of Stone. J'avais clean toute la map et on voit que ça pop un peu partout. Il n'y avait que cela que j'avais pas fait encore. Donc on a de quoi se faire plaisir les gens. On a du contenu. On va faire ces petits points d'interrogation là, on va faire ce triangle là. On commencera la quête principale quand même, que vous voyez un petit peu la scène d'intro qui est pas mal, de Heart of Stone. On en profite et comme d'habitude vous savez, je prends mon temps. On va aller voir sur les îlots s'il y a quelque chose. Il veut pas monter par là, c'est pas grave. Hop.
Non, je rappelle qu'avec les choix que j'ai faits, la Redania est libre. C'est Dijkstra qui a continué la guerre contre l'empereur du Nilgard. Emry, l'empereur Emir, pardon, est mort. Et Ciri est devenue sorceleuse. Donc là, on voit bien les mobs, ils sont niveau. On voit bien l'extension, hein, les mobs sont niveau 34. Hein. On voit que les mobs ils sont un peu plus réveillés quand même. Salut à toi Thomas, bienvenue sur le live. C'est la première fois que je te vois sur le live, il me semble Thomas. Bienvenue à toi. Fan de The Witcher. Alors on va aller faire le. On va aller libérer le village là-bas. Ah non, c'est encore un nid de monstres là, d'accord. Il ou le nid. Et ah, pas. Qu'est-ce que t'es moche. Ouais, quand ils collent les patates, ils font pas semblant quoi. Ouais, on va peut-être y aller en mode un peu moins wesh tranquille. Hop. Les guerres sortent en surface par ici. Ah ben oui, c'est vrai qu'il est gratuit. D'ailleurs, petite information que tu peux nous dire, parce que moi je viens de perdre mon Game Pass, je ne l'ai pas renouvelé. Est-ce qu'avec le Game Pass, c'est le jeu de base, ou est-ce que c'est l'Enhanced Edition qui donne avec les deux extensions? Je ne me souviens plus si c'était le jeu de base qui donnait, ou le jeu Game of the Year avec les deux extensions sur le Game Pass. Si tu peux nous le dire, si t'as fait gaffe, hein. Moi je l'ai sur Xbox, d'ailleurs c'est la seule version de Witcher 3 que je n'ai pas encore fait. J'ai joué à toutes les versions. Et là je me suis procuré la Game of the Year sur Xbox, mais je ne l'ai pas encore joué. Je la ferai pour comparer avec toutes les autres versions. Merde, il m'a TP l'autre, mais j'ai pas ramassé les cadavres. Et il m'a TP, mais normalement j'étais là-bas moi. Ouais. J'étais là en fait, il m'a TP le bordel. C'est le jeu de base, voilà.
Donc là, ce que tu vas voir à part ce soir, et si tu restes sur mes lives, c'est les extensions. Là, on est sur Hearth of Tone. Mais ça reste quand même assez fou les jeux que donne Xbox, franchement, sur le Game Pass. Hein. C'est assez bluffant, je trouve. Hein. Moi, la Xbox, je l'ai récupérée il n'y a pas longtemps. Je l'ai récupérée au solde. Et je dois avouer que je suis agréablement surpris par la One X, quoi. Par rapport à la PS4. Qui est un peu à chier, faut être honnête. La PS4. Mais bon, oui, c'est... Heureusement qu'elle a quelques exclusivités japonaises intéressantes. Sinon, pour les jeux multiplateformes, je dis que niveau console, faut mieux prendre Xbox à l'heure actuelle. Oh, tu vas te rigoler, hein, franchement, en plus, tu le paies pas le jeu. Hein. Mais ça va te pousser, quand tu verras la qualité du jeu, ça te poussera à faire les extensions, je pense. Même si le jeu de base suffit, honnêtement, mais les deux extensions, quand même, elles rajoutent un temps de jeu assez hallucinant, quoi. Parce que le jeu de base, là, si tu fais toutes les quêtes, t'en as pour... Et si tu prends ton temps, comme moi, regarder, ramasser, etc. 140 heures de jeu, quoi. Et j'ai pas fait le Gwent, ouais. J'ai pas fait le jeu de Gwent, donc... En plus, tu peux rajouter facilement... 10-15 heures pour faire le jeu de cartes, quoi. Alors il faut savoir que visiblement un pote il a un Blu-ray et quand il a installé le jeu il a téléchargé un gros patch pour avoir la 4K. Il y a un patch 4K normalement sur mais je me demande si le patch 4K ne serait pas avec la version Game of the Year. Parce que justement, il faut savoir que l'upscale qui est arrivé sur PS4 et Xbox One sont arrivés avec le surplus de puissance, et c'est-à-dire avec les extensions. Donc peut-être que comme c'est le jeu de base, si tu veux, vu que c'est une feature, entre guillemets, Enhanced Edition, donc extension, c'est peut-être pour ça que tu l'as en HD. T'as pas accès au patch, je pense. Je pense que c'est ça. Si entre-temps t'arrives à la voir, n'hésite pas à venir nous le redire. Hein. Que je rectifie ce que je dis si je dis de la merde. Mais il me semble que c'est pour ça que tu l'as pas. T'es peut-être compris avec les extensions. Ou essaye de voir si tu télécharges pas un patch. Mais normalement, vu que t'es sur le Game Pass, tu télécharges le jeu directement dans son intégralité. T'as pas de patch, quoi. Donc, je pense que ils ont mis juste le jeu de base en HD, quoi. Et encore, ça m'étonnerait parce que normalement... Quand il est sorti sur Xbox One, la première génération donc, le jeu tournait à 900p, 30 fps. Parce que la première Xbox One avait un processeur beaucoup plus faiblard et de la DDR3. Donc je sais pas quelle version t'as, ça serait intéressant de savoir dans le Game Pass qui donne quoi. Mais je pense pas qu'ils aient remis le 900p, 30 fps quand même, enfin j'espère pour toi. Tu t'en rendras vite au compte. Hein. Montre-moi ce que t'as dans le ventre. Oh là, bonjour. Ah, des noyés. Bonjour, monsieur. Ouf. Ah, oh, ils sont violents, quoi. Eh putain, pourtant, je suis full stuff éternel, quoi. Ah, il faut meubler quoi. Ouais, ça se voit que c'est l'extension quand même. On y va un peu moins à la bourrine là-dedans.
Mais je rappelle quand même, là on est sur des mobs de base, des mobs de merde. Et j'ai quand même fait le stuff de maître, quoi. Je suis pas stuff Bobby, quoi. Je suis allé chercher le stuff crafté et tout, quoi. Et le premier boss d'Heart of Stone, ça va rigoler dans les égouts. J'espère que je vais pas me reprendre une branlée comme à l'époque. Est-ce qu'il empoisonne et tout en plus, ce con? Ouais, donc c'était, j'ai dit que je voulais faire un point d'interrogation. Voilà. Ah, faut que je médite, j'ai plus de bombes. Hop. Des humains, ça c'est cool par contre. Il y en a même là. Il y a un archer par là. D'où il est là. Et si ça camerde. Il y a deux archers quand même. Il est où l'autre? Il est là-bas. Putain, mais l'autre il m'attaque dans le dos. Hein. Petit snapper. Allez, viens taper. Je vais m'occuper du groupe à l'eau. Hein. Hop là, ça c'est fait. Allez, approche. C'est vrai que si on a le barre à la con, il touche de loin, quoi. Ouais, tiens. Mais viens là mon coco. Allez, tiens. Ramasse tes dents quoi. Ah, journal de Peter, qu'est-ce qu'il raconte? Voir 3 jours que nous sommes postés ici au bois mortifère. Mission extrêmement importante, c'est ce que le commandant nous a dit. On a, voilà, crème de la crème. Au bois mortifère, ce sont ces mots. Je suis pas un peu vieux. Bizarrement, il n'y a pas un arbre à l'horizon et cadavre. Alors, qu'est-ce que tu me dis pour les jeux RPG? Je les prends avec les 3 supports. Un, je prends sur ma console de base. Et 2 autres, c'est pour la collectionner pour jouer. D'accord. Ah, donc, t'es un collectionneur. Ok. Voilà, pour le coup, moi, Witcher, j'ai toutes les versions aussi, tu vois. Je les ai toutes jouées, sauf, comme je te disais, sauf la One. Mais bon, vu qu'à chaque fois, j'ai full 200 heures. Là, je vais finir la version Switch. Un orage. Manquait plus que ça. Ouh, des schémas. Ah ben, c'était l'Ordre de la Rose, ça. Ils étaient là, l'Ordre de la Rose. C'était eux. Ils auront pas fait long feu. Ils se seront fait laminer, quoi. Alors.
Alors, il y a marqué de beau, Thomas il nous dit que les JRPG, les RPG en général, je joue un peu tous les jeux. Je joue un peu de tout sauf les jeux de foot. J'aime pas les jeux de foot. Alors, quel est le RPG ou JRPG qui t'a marqué sur les dernières années? Le gros coup de cœur que tu as eu? Comme qu'on est, hein. On va y faire passer un test. Ah, là on voit qu'on est sur de la quête. On est sur de la quête Heart of Stone. Alors le journal est couvert de sang et très abîmé. Seule la dernière page reste déchiffrable. Ma marche pour la gloire du feu m'a ensuite conduit à prêcher à Brunwich, le village aux abords du lac. Et vous ne me croirez jamais ce que le très saint feu éternel m'y a révélé. Une ruche de paille endurcie, trop corrompue par le péché, pour entretenir un instant le foyer du feu éternel. Plein d'une colère divine, je leur ai demandé. Pourquoi votre chapelle est-elle dans un état aussi délabré? Pourquoi votre cimetière est-il couvert d'herbe? Et quelle a été la réponse? Ben, c'est à cause des fantômes. Les lieux saints sont maudits. Ils accusent la femme de l'échevin que la richesse est rendue folle et, passage visible, et depuis cette tragédie, la chapelle est en ruine. Personne n'ose s'en approcher. Ils me reviennent donc de ramener ces pauvres brebis égarées sur le droit chemin et de leur faire oublier les fadaises auxquelles elles croient. Je compte entrer seul dans la chapelle, armé uniquement de la torche du feu éternel pour éclairer mes pas, afin de voir ce qui rôde à l'intérieur. Ouais, tu sens que le mec est un peu mouru, quoi. Ah bah t'es tombé sur la bonne chaîne, hein. J'aime beaucoup le JRPG, d'ailleurs on va en tester un normalement que je devrais recevoir fin de la semaine. Il était déjà sorti sur Wii U mais qui va nous ressortir sur Switch. Ça me permettra de faire le let's play en live. On voit que tout est barricadé quand même. Et quel niveau la quête quand même? On va regarder par curiosité. Niveau 36. De malheureux accidents arrivent même au plus pieux des hommes. C'est la leçon que Geralt tira de la découverte d'un cadavre d'un prêtre. Sur celui-ci, il trouve un journal qu'il fourra dans son sac après une minute de recueillement à sa mémoire. Le document lui apprit que les jeunes du coin étaient confrontés à un problème de cimetière hanté. Poussé par le sens du devoir, Geralt décide de découvrir ce qui trouvait la paix des morts et menaçait les vivants. Quand ils collent des tatanes, ils en collent. Dragon Quest 11. Alors, l'extension des FF14. FF14, je me suis pas trop penché, moi. On devait le faire avec des potes, mais... Au final, on est parti sur autre chose. Valkyria Révolution. C'est vrai que le dernier Dragon Quest, moi, je l'avais commencé, là, faut que je le reprenne. Très, très accessible, mais... sympa au niveau. Je trouve quand même sympa, ouais.
Oh, la mer maudite, carrément. Non, attends, parce que alors là... Donc on est sur du spectre. C'est la poussière de lune qui peut servir aussi. Salut à toi Elaziz. Salut, est-ce que tu dirais que l'extension souffre plus de défauts techniques que le jeu de base? Je viens de la lancer. Donc honnêtement, pour l'instant, non. J'ai rien vu. Mais j'ai pas commencé la quête principale. Je suis sur de la quête annexe de Heart of Stone. Mais je suis les lives régulièrement et je te dirai ça au fur et à mesure. En tout cas, le jeu de base, j'ai fait 140 heures dessus, il n'y a eu aucun souci, aucun plantage. Vraiment nickel, quoi. J'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. Donc j'ai dit qu'il me fallait des ruches. Je crois que j'ai des ruches équipées, non ? Moi j'ai de la ruche améliorée. Raté. Alors, qu'est-ce qu'il me disait, Kazuki, je suis abonné à ta chaîne, il y a longtemps, et j'ai adoré les vidéos sur ta console de cœur. T'as acheté quoi, la PC Engine? C'est bizarre, je me rappelais pas de ton nom, je suis désolé. Donc t'es passé sur des vieilles vidéos, je me rappelais pas du tout. Alors...
fouiller les passages souterrains de la crypte. On va rallumer un peu. Oh putain, quel con. Je me suis stun tout seul. Boulet. Hop. On pouvait pas faire ça, c'est normal, il était en combat ce con. Allez, rage ton truc. Hop. On va recharger les bombes. Hop. Putain, mais quel con. Il a le style, je suis boulé ce soir, moi. Je me pose bien, quoi. Voilà. Ici, hein. Ah ben, je t'invite au mois de mars, hein. La mini qui sort. J'en ferai un live à sa sortie. Voir un petit peu ce que ça vaut. Chapelle maudite. Message d'adieu. Il ne me resterait absolument rien. Tout ce que je peux encore faire, c'est raconter l'histoire triste et horrible de ma famille, puis rendre l'âme, moi aussi, dès que j'aurai fini d'écrire cette lettre. Cela ne semble plus qu'un rêve lointain, mais nous avons été heureux, ma ravissante femme Honesta et moi. Notre mariage fut grandiose, tout comme le festin qui s'en suivit, et notre chère Midburga vit le jour un an plus tard. Les gens louèrent la beauté de la petite, qu'il disait le porter craché de sa mère. Honesta se fâchait quand les gens parlaient ainsi, mais je n'y prêtais alors pas attention. Bientôt notre famille s'est agrandie, il y eut d'abord Mathilda, puis Ethel nous rejoignit. C'était deux petits anges, mais Honesta, eh bien, je n'oublierai jamais ce soir-là. Elle était assise et peignait ses longs cheveux noisettes, tandis que les filles pleuraient à chaudes larmes. Je lui dis « Chérie, je crois que les petites ont faim ». C'est là qu'elle s'est emportée contre moi pour la première fois. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas le droit d'avoir faim, qu'elle lui avait volé sa beauté et sa jeunesse, et que cela devrait suffire à les nourrir. J'aurais dû comprendre alors, j'aurais dû deviner que la folie s'est emparée de l'esprit de ma bien-aimée, et qu'elle s'enfonçait un peu plus chaque fois qu'on la complimentait pour la beauté de ses filles. Année après année, nos filles grandirent et leur charme s'accentua. Cependant, le temps est moins doux avec les plus âgés, il n'épargna pas Honesta de sa cruauté, emporta l'éclat de sa peau en faisant faner sa jeunesse. Une nuit, j'étais réveillé par la lueur sinistre de la lune. J'ai fouillé la hutte du regard pour m'apercevoir qu'elle était vide. J'ai alors couru jusqu'à la porte et suivi des traces de pieds nus, menant au cimetière près de la chapelle. En voyant ça, mon cœur s'est soulevé. Je les ai découvertes, toutes les trois, étendues près de la fontaine. Si je n'avais pas été leur père, je ne l'aurais jamais reconnu. De profondes entailles lacéraient leur beau visage. Des lambeaux de peau et des bouts de chair étaient éparpillés partout. Alors que je contemplais cette boucherie, j'eus le sentiment que l'on m'observait, et je ne me trompais pas. Honesta était plantée là, sur un tabouret près d'un arbre. Une corde passée autour de son cou lui faisait une sorte de collier démoniaque. Elles me l'ont prise, ce que j'avais de plus cher, je n'ai plus rien, a-t-elle lancé avant de sauter. Elle est morte, mon Honesta et mes trois filles sont mortes aussi. Je les rejoindrai bientôt, j'ai pris tout ce que j'avais et j'en ai fait don aux dieux. Peut-être nous pardonneront-ils, moi et ma chère Honesta. Ouais, sympa quand... Tu m'étonnes qu'elle hante la crypte. Toujours une écriture vraiment qui peut être totalement annexe, vous voyez, l'histoire, on n'est pas censé la... Si on fait la quête, qu'on tue le mob et qu'on se casse, voilà. Mais si on prend le temps de lire aussi, déjà, les dialogues sont super bien faits, mais il y a quand même un travail au niveau du background aussi qui est quand même assez fou. Bon là, c'est assez classique l'histoire, mais il n'y a aucune quête qui est faite à l'arrache, quoi, à part les récolter à Skellige tous les coffres cachés des contrebandiers. Mais c'est encore un rapport parce que bon, c'est un peu du remplissage, mais voilà, c'est le seul truc où il n'y avait pas vraiment de scénario, quoi. Tout le reste en général a des lignes d'écriture, quoi. Et coucou toi. Et s'il veut Bambi. Allez, on va aller voir Monsieur l'Enchanteur. En tout cas, pour répondre à Elasis, pour l'instant, le jeu, ça n'a pas l'air de ramer ni quoi que ce soit.
Ah, on va faire la rencontre avec Monsieur l'Enchanteur. Vous êtes bien loin d'Ophir, non? Très loin, oui, entouré de dangers. Mais dans mon pays, on dit point de risque sans honneur. Ça sonne bien, mais d'après mon expérience, c'est assez loin de la réalité. Face à certains dangers, l'honneur ne vaut rien. Ah, mais l'attention change tout. Importante est l'attention. Un long périple j'ai bravé pour admirer l'inconnu et apporter la gloire à mon seigneur et moi-même. Le monde nous devons explorer, des terres vierges découvrir, pour nos connaissances partager avec nos frères. Existe-t-il ici-bas, spectacle plus époustouflant que l'infinie création de l'univers? Si je comprends bien, vous êtes une troupe d'explorateurs philosophes. Assurément. Observez vos coutumes, partagez notre savoir et vendre nos marchandises. Notre dessein est fait. J'aimerais en savoir plus sur votre pays, si vous avez le temps. Du temps? De mon pays, je pourrais parler jusqu'à faire tomber vos oreilles. Ophir, pour vous, est un pays. Mais en vérité, vivent dans cette partie du monde de nombreux peuples. Steppe immense, sommet infranchissable. Lac aux eaux de cristal, c'est un sauvage territoire. C'est une terre d'empires déchus, où de puissants royaumes côtoient des tribus indomptables qui racontent dans leurs légendes la jeunesse du monde. Et vous, d'où venez-vous? D'une ville dont les hautes tours feraient d'envie pâlir Nilfgaard. Une enclave de philosophes, de médecins, de mathématiciens et de mages. De ces derniers, mon ami enchanteur mieux que moi vous parlera. Je ne manquerai pas d'aller le voir. Belle monture que vous avez là. Oui. Une amie fidèle est ma Babi Yetza, plus sage que bien des hommes. De nombreuses courses ensemble nous avons gagné. Explorateur et cavalier, curieux mélange, non? Dans mon pays, tous les enfants montent en selle et toutes les fêtes par une course sont célébrées. Les juments d'Ophir sont réputés pour leur vitesse. Une petite course, ça vous tente? Rapide comme les alizés sont nos montures. Une course pour l'honneur, nous devons faire. Alors si on prend une branlée ou pas? Allez! Ils nous mettent carrément des... J'avais oublié cette partie-là. Mais je me suis gouré de route. Quel con. Une sortie de route. Ah. On peut la relancer. J'ai fait un fail. Belle victoire, bravo. Vous n'avez pas... Nos légendes parlent d'un faible et télé... Le respect du... Belle histoire. Je veux ma chance. Prenez soin de vous. Allez en paix dans la gloire du... Hop, tenez deux secondes. Alors, on était où? Allez voir le field de Makoto Shinkai. Ok.
Alors là, c'est... On commence la course ou pas là? Jusqu'à la limite. Allez, U. Plus vite. Ne ménagez pas vos efforts. Poussez votre monture jusqu'à la limite. C'est pas possible, à chaque fois je me... Te foutre de ces virages quoi. Quand on rentre dans le village, ouais, faut faire gaffe, un virage serré à gauche. On va réussir à finir cette course à force. Hein. Quand on connaîtra par cœur. Alors attends, voilà, on va ralentir pour être sûr de ne pas rater un autre coup. Allez, U. Ne ménagez pas vos efforts. Qu'est-ce que tu fais, Maya?
Oui, t'auras un gâteau, ouais. Sois patiente. Hein. Bon, encore un try. Hein. Décidément. Décidément. Pourquoi il s'est arrêté ce con? Bon. C'était un peu, excusez-moi. Entre mon mauvais mon skill de merde et mon toutou, il y a ma fouille. Les juments d'Ophir filent comme le vent, mais pas autant que mon ablette. Félicitations pour cette belle victoire. Une selle pour votre monture, notre duel commémore. Ah, bien. De vous, elle fera un cavalier hors pair. Merci. La nouvelle selle te plaît. Ah, la valeur d'un homme, on mesure à la manière dont son cheval il traite. Nos légendes parlent d'un temps où ciel et steppe par l'amour étaient liés. De leur union, la première jument naquit. Faibles étaient les hommes de cette époque, à la merci de dangers innombrables. La jument, son lait leur donna, et ils la chevauchèrent. Les proies devinrent alors de puissants guerriers et de fiers conquérants. Le respect du cheval, plus noble des animaux terrestres, nous enseigne les légendes. Belle histoire, merci. Et merci pour la course aussi. Qu'apportez-vous d'Ophir? Je peux voir vos marchandises? Et ma fille. Qu'est-ce que tu veux? Qui donne la papate à papa? Tu donnes la papate? Tu fais un bisou? Et mon chien. Et ma fille. Ouais. Eh? Oui. C'est pas l'heure. Hein. C'est pas l'heure. Hein. Eh bébé. Ah, papa. Eh? Et fais un bisou. Et tu laisses. Après, d'accord? Oui, après. Après. Hop. Non, Maya. Oh. Non, pas maintenant. Oui. Tu dis bonsoir aux gens? Tu dis bonsoir?
Ami du soir, bonsoir. Ouais. Ouais, oui. Oui. Mais tu veux pas que papa joue. Oh, tu veux pas. Oh, tu veux pas. Ouais, ça t'arrive, ça. Même à Ablette. Hein. Ouais, belle rouquine. Tu fais ta star. Tu fais ta star. Hein. Tu fais ta star de cinéma. Ouais. C'est l'heure du câlin là, Aslan. Moi, tu m'arraches les câbles, ma fille. Hein, bébé, tu vas sur ton canapé? Tu vas sur ton canapé. Allez, laisse papa. Après, d'accord? Alors, il a rien à vendre de ce que s'il a vendre. Déjà, on va voir. Voilà, hop, vous la voyez là-bas. Nos marchandises, de la valeur en elles. Ouais, c'est ça qu'elle demande, parce que quand c'est le café... Oui, et pas qu'un peu. Et c'est qu'elle a son gâteau. Ah, pourtant tellement mieux, je pourrais offrir si mes précieux schémas ne l'avaient pas perdu. Comment ça, perdu? Volé, en vérité. Des scélérats par surprise nous ont attaqués, mes compagnons et moi. De mes schémas, je regrette moins la perte que celle d'un ami. Tué de barbare façon. Je peux essayer de retrouver vos schémas, si vous voulez. En suivant ces instructions, des merveilles dignes d'un roi vous obtiendrez. Vous vous souvenez où vous avez été attaqué? Près d'un carrefour non loin d'ici. Pardonnez-moi, je connais cette région bien mal. Au nord de l'endroit, une résidence il y avait, une rue. Ne vous en faites pas, je trouverai. Au revoir. Prenez soin de vous. Allez en paix dans la gloire du monde. Béni soit son infinie création. Adieu, mon ami. Normalement, c'est une quête qui est bas level, ça. Niveau 33. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, les gens? On part sur le début de la quête principale ou vous voulez qu'on fasse un petit peu d'annexe et qu'on continue la quête d'enchanteur? Je vais vous faire participer un peu. Qu'est-ce que vous préférez voir? Bonjour. Bonjour, étranger. Loué soit l'infinie création du... Je le prenais pas mal, mais si vous voulez mon avis, ce monde ne mérite pas vos louanges. Ah, vous êtes glorieux. Vous êtes toujours à vos plaintes et à faire grison. Toujours prompt à trouver des sujets discords. Ah, écoutez-moi donc. Je vous donne la leçon, mais je ne vaux guère mieux. Hélas, étranger, je ne peux rien forger pour vous. J'ai perdu mes outils et tout le reste. Vous êtes un artisan ou un mage? Votre langue ne possède pas de mots précis pour décrire ma profession. Je suis un érudit et un artisan, mage et forgeron à la fois. La gématrie, la forgerune, ça vous dit quelque chose? Non, mais forgerune, ça parle de soi au final. Mon art ne consiste pas simplement à graver des runes et des glyphes magiques, mais à les arranger de manière à créer de puissants mots de pouvoir. Une pierre runique formant un tel mot de pouvoir au sein d'une épée en décuplera la puissance. C'est une pratique bien plus subtile et efficace que la simple apposition de runes sur une lame. De même, les glyphes peuvent former des mots de protection insérés dans une armure. Les gens m'embauchent parfois pour résoudre leurs problèmes. Je peux même retrouver des objets perdus.
Dans mon cas, je le crains, c'est impossible. Mon bateau a coulé, emportant avec lui mes instruments au fond de l'océan. Et vous ne pouvez pas en racheter d'autres ? Je les avais conçus et forgés moi-même. Ils valent une petite fortune. Et de toute façon, l'or que j'avais apporté avec moi a lui aussi sombré dans les abysses. Vous pouvez m'aider, je peux vous aider. Je crois qu'on aurait tout intérêt à collaborer, non ? Je me charge de trouver l'or, et en échange, vous forgez des runes et des glyphes pour moi. Qu'en dites-vous ? Vous êtes sûr ? La somme est considérable. Même pour un glyphe rudimentaire, les outils sont très onéreux. Les glyphes supérieurs coûtent une fortune. Sans parler des glyphes de maître. Ne vous inquiétez pas, je pense que je ne serai pas perdant dans l'affaire. Ouais, ça va, ça coûte pas cher. Vous parlez de votre art comme un religieux parlerait de sa foi. Pour vous, science et foi s'opposent. Mais dans mon pays, les prêtres sont aussi des érudits renommés pour leur sagesse. Quels sont les dieux vénérés par les Ophiri ? Chaque région est différente. J'ai été élevé dans la croyance en un dieu unique, le monde. Ce dieu nous parle par l'intermédiaire de symboles, et en étudiant son verbe, nous nous approchons de lui. Par symbole ? Vous voulez dire les runes et les glyphes ? Runes et glyphes ne sont que des signes humains, et donc imparfaits pour décrire le monde. Ils sont pourtant magiques, et toute magie nous vient du dieu. Les runes que je crée sont autant de mots. C'est là ma prière. Et lorsque mes runes enchantent une épée, c'est là ma bénédiction. Dites-moi, qu'est-ce qui vous amène ici ? La soif de connaissance, tout simplement. Mon maître n'avait plus rien à m'apprendre et les langues, les plantes et les animaux de mes contrées n'ont plus aucun secret pour moi. Vous avez fait un aussi long voyage juste pour apprendre de nouveaux mots ? J'aurais pu rester chez moi et vivre dans l'opulence, honoré pour la beauté de mon art. Mais cette existence aurait été bien vide de sens. Vaste et si complexe est le monde. Sans cesse en évolution. C'est une énigme. Qui nous parle en symbole. Je veux comprendre la langue du monde, en découvrir les signes et en maîtriser la syntaxe. Ainsi seulement pourrais-je apprendre les principes fondamentaux de la création. J'ai de l'argent avec moi, c'est suffisant ? C'est un début. C'est pas donné. Pourtant, le coût ne se compte pas seulement en or. Il me faudra également un gros fragment de jade. Je vais voir ce que je peux faire. Trouver une pioche. Qu'est-ce que vous foutez avec une pioche ? Je vais pas toucher à ta bobonne. Ne t'inquiète pas. Il y a des chances pour que je trouve des veines de jade au nord-est de Novigrad. Je devrais tenter ma chance là-bas. Alors, où c'est qu'il nous envoie ? Bon, je vois qu'il n'y a pas eu de réponse sur le chat. Donc, je vais continuer. Putain, ouais, ça nous envoie là-bas, quoi. On va juste lancer la quête principale, quand même, pour les gens qui viennent.
viendrai voir la l'extension. On va lancer la quête. Est-ce que ça c'est quand même des quêtes? Ouais, c'est toutes des quêtes de niveau pareil. Ouais, c'est ça, le sorcier, non, le sorceleur. D'ailleurs, il faut que je vende mes saloperies au marché avant de partir tant que j'y suis. Je me rembourse un peu de thunes. Donc j'avais gagné une selle aussi. J'aurai de l'état de la selle. Est-ce qu'elle est mieux que la mienne ou pas? ...85 de vigueur. Et ouais, c'est une Ophiri. J'avais une Zéricanienne. Donc ça c'est la selle de l'extension. J'avais deux Zéricaniennes de base. Bonjour l'ami. Un plaisir il est de vous revoir. Un plaisir aussi il est. Qu'apportez-vous d'Ophir? Je peux voir vos marchandises. Ils ont du beau stuff normalement aussi. Bon maintenant vu que je suis bien stuff. 55 en panique j'ai mieux. La Zéricanienne est mieux. Sam, j'ai déjà Sam. Il y a des nouvelles cartes de Gwent. Tu m'as donné envie de jouer à Witcher. Ah, c'est fait pour, hein. Après, toi, t'as le jeu de base, donc... en plus, tu te spoileras pas en regardant mes lives. Donc, tu seras tranquille. Hein. Le jeu de base, moi, je l'ai fini, là. Et je l'ai ruiné le marchand quand même. Prenez soin de vous. Allez en paix dans la gloire du monde. Béni soit son infinie création. Adieu, mon ami. Allez, on va faire la quête principale, pour voir un petit peu comment ça tourne, comme vous l'avez demandé tout à l'heure, Elaziz. Après, on fera un peu... on se laissera porter au gré des quêtes, hein, comme je fais d'habitude. On n'est pas pressé, de toute façon, hein, vous êtes pressé, moi non. Je vais pas rusher. Je pense qu'à partir de la semaine prochaine, j'alternerai deux let's play. Enfin, en fonction de la demande. On alternera RPG occidental et JRPG. Pour le bonheur de tous. Alors. Voir s'il n'y a pas des trucs qui traînent à le coin. Que je pense à réparer aussi, parce que j'ai une épée qui est bien désinguée. On verra combien elle est.
Hop. Je croyais qu'il y aurait eu du miel. C'est peut-être des mouches. C'est que ça cogne le cochon. Alors, à Camille, fils de Kossa, cette lettre est le dernier avertissement. Quand je t'ai nommé chasseur, ce n'était pas pour que tu passes tes journées à courir la gueuse. Les sangliers se reproduisent comme des lapins, les cerfs dévorent nos arbrisseaux, et les loups gambattent tranquillement à deux pas de notre domaine. Mets-toi au travail, petit, ou ta carrière s'achèvera plus vite qu'elle n'a commencé. Le fameux domaine. Ouais, là, vous allez voir une sacrée bande de comiques. Si on peut appeler ça des comiques. Oh là, l'ami, je t'ai jamais vu, tu veux quoi?
Je viens voir Holgerd von Ebrek. Ah ! Alors faut rentrer. Je suis à la recherche de Holgerd von Ebrek. Il n'y a personne de ce nom ici. Dites-moi, je peux savoir qui vous êtes ? À quoi on ressemble ? À une bande de malfrats, ou à d'anciens soldats très chanceux. Ah, t'es loin du compte. Nous sommes tous fils de nobles. Et filles de nobles. Bon. Vous allez me dire qui vous êtes, au juste. La Compagnie Libre Rhédanienne. Les gens nous appellent les Sauvages, à cause du sanglier sur notre blason. On m'a dit que je trouverais Holgerd von Ebrek ici. Quelqu'un s'est payé ta tête, mon frère. Dans ce cas, tu vas peut-être pouvoir m'aider, mon frère. Mon petit doigt me dit qu'on doit pas avoir la même mère. C'est bon, Ingus. T'as assez rigolé. Je suis Holgerd. Dis-moi ce qui t'amène. Non, non. C'est moi, Holgerd. Toi, tu rêves. Je suis Holgerd. Vous êtes impayable, et je resterai bien m'en payer une tranche, mais je suis pressé. Waouh ! C'est sérieux, alors ? Je suis là au sujet du monstre dans les égouts. Apparemment, Holgerd von Ebrek a mis sa tête à prix. C'est toujours sérieux avec les sorceleurs. C'est inévitable. Comment ça ? On t'a privé d'émotion. C'est pour ça ton air sévère. On croirait qu'on t'a fourré un pieu dans le cul. Très bien, sorceleur. Fini les blagues. T'en as déjà assez supporté. M'impressionne. Viens, je vais te conduire à Holgerd. C'est comment ton nom ? Geralt de Rive. Un conseil, Geralt de Rive. Quand tu seras devant Holgerd, essaie de piquer sa curiosité. Pourquoi ça ? C'est lui qui veut faire éliminer un monstre. Ah, certes. Mais il peut confier ça à un autre. Alors, si tu veux le boulot, retiens son attention. Il est du genre à s'ennuyer assez vite. Notamment, vous avez de la visite. Savez-vous quel genre de sculpture rapporte le plus ? Les statues de dieux, les bustes de rois et les nus. Et qu'avons-nous là ? Une gueuse nue. Qu'en pensez-vous ? Elle me plaît. Surtout ces deux formes ovoïdes. Un comique. Bien. Je n'aime pas les gens dépourvus d'humour. Ils m'ennuient à mourir. Ah, j'adorais Votticelli. Il pouvait insuffler tant de vie dans un morceau de pierre. Mais dans son œuvre, je ne vois plus que de la pierre bien proportionnée, sans défaut, tristement parfaite. C'est ennuyeux et sans âme, comme un vulgaire caillou. Voilà qui est mieux.
ça la rend plus intéressante. Bien. Et maintenant, passons aux choses sérieuses. Allons rejoindre les autres. Et allons prendre quelques rafraîchissements. Ataman Holgerd, longue vie à vous. Longue vie à l'Ataman. Longue vie à l'Ataman. Longue vie à l'Ataman. Venez boire avec nous. Bien, nous n'avons plus vraiment le choix. Apporte-nous du vin, ma chérie, et quelques amuse-gueules. C'est pour une occasion spéciale ou seulement pour festoyer ? Chaque occasion est spéciale. Aujourd'hui, nous fêtons un baptême. Celui de qui ? Celui du sabre de l'écuyer Hérodor. Je lui ai trouvé un nom. Sabre, je te nomme Adityana. Le monstre des égouts. Vous pouvez m'en dire plus ? J'ignore ce que c'est, mais il est redoutable. Je n'en aurais cure si ma cuisinière n'en avait pas été victime. Ah, elle préparait le gibier comme personne. Elle était dans les égouts pour capturer du gibier ? Non. Elle est allée à la foire avec sa sœur. Ou sa cousine, qu'importe. Cette idiote l'a convaincue qu'un prince transformé en crapaud vivait dans les égouts d'Oxenfurt. Et vous savez comment sont les femmes ? Chacune est prête à tout pour trouver son prince charmant. Vici ne faisait pas exception sur ce point. Elle est descendue et on ne l'a pas. Elle n'était pas la première d'ailleurs. Hé, hey, fichez-lui la paix. On ne traite pas ainsi la fille du seigneur du manoir. Excusez-moi, où en étions-nous ? Ah oui, le comte. Allez-vous vous en occuper ? Il reste un détail à régler avant. Ma paye. Ne vous souciez pas de ça. Si vous me rapportez la tête de la bête, vous pourrez repartir d'ici avec ce que vous voudrez. C'est très généreux. Mais je préférerais convenir d'un prix. Bah, d'accord. Combien voulez-vous ? 300 couronnes ? 400 ? 450. Entendu. J'ajouterai ça aux souvenirs que vous voudrez emporter. Considérez la bête comme morte. Quelle confiance. Apportez-moi sa tête, et la récompense est à vous. Vous voyez que ça commence, c'est vraiment très basique. Hein. Une quête de... un contrat. Et ça va vite déraper. Je m'appelle Gérald. Moi, je préfère Ziotcha. Ça te pose un problème ? Viens-en au fait. J'ai un boulot pour toi, Ziotcha. Bien payé. Quelqu'un a tué mon associé, Clivert. Retrouve ce fils de pute et tranche-lui la gorge, d'accord ? Pourquoi tu ne le fais pas toi-même ? Le sang n'a pas l'air de te faire peur, on dirait. Si je tenais la raclure qui a zigouillé Clivert, j'y aurais fait la peau depuis longtemps. Mais je sais pas qui c'est. Mais toi, avec tes yeux de chat, je suis sûre que tu sauras le retrouver. Je t'écoute. Il y a quelques jours, Clivert est parti à Mont-Larceau pour récupérer une livraison de Fistek. Il est jamais revenu. Tu es allé là-bas ? J'ai vu son corps ? Non. Clivert était un fils de pute. Mais je lui faisais confiance. S'il n'est pas revenu, c'est qu'il est mort. Trouve-moi ce bâtard. Retrouve-le et tue-le. Je te paierai pour ça. Je vais y réfléchir. Clivert a une cicatrice sur le front, un peu comme la tienne. Tu le reconnaîtras facilement. J'ai dit que j'allais y réfléchir. Tu sais quoi ? Les types comme toi... Je les connais, Ziotcha.
Tu vas finir par accepter. J'en mettrai ma main à couper. Je t'attendrai à Oxenfurt, à l'auberge des alchimistes, sur la Grand Place. Rose sur champourpre. Mais bon, avant de l'affronter l'autre, on va quand même aller chercher la quête pour faire les armes. Car je sais que le monstre dans les égouts, il est quand même assez violent. On va profiter pour faire quelques quêtes sur la route. Manque de bol, la porte était fermée. Toujours les mêmes herbes. Oula, il y a un troupeau là. Troupeau de Bambi. Ah, qu'est-ce que t'es moche. C'est des neckers. Un golem niveau 37. Alors les golems, c'est pas classé dans les trolls. Je pense pas que c'est là-dedans les golems. Non. Alors, golem. Oh, le sanglier sauvage, tiens. Donc, les golems, c'est créatures élémentaires. Dimerentium. Il est balèze quand même avant que j'y tombe sa vie à ce con.
Ouf, oh, il colle les grosses patates quand même. Sa vie ne baisse pas, par contre. C'est une catastrophe. Hein. Ouf. Oh le con, il m'a... Je me suis fait défoncer la gueule. Ah, il est peut-être un peu trop fort pour moi celui-là encore. C'est même avec les huiles. Ça descend, mais faut pas être pressé quoi. Je suis full stuff 2 mètres en plus. Hein. Heureusement quoi, j'ai envie de dire. C'est pour ça qu'il faut faire très rapidement les runes. Ça marche, Aslan. Je vais pas tarder à faire la pause café, moi. Là, tu sens l'augmentation de niveau et de l'extension par rapport à Wild Hunt, quand même. Après, ouais, le mob il est quand même bien au-dessus de mon niveau, quoi. Ben, en tout cas. Merci à toi d'être passé, sûrement dans la semaine pour la suite des lives. Je vois que Maya dort pas encore, elle attend son... Elle attend sûrement son gâteau.
On va le faire plus tard, lui. On va le contourner. Tiens, décidément, mon épée, quoi, elle arrête pas de... Cette chanson où on est entendre les panneaux d'Ina. Je ne veux pas avoir affaire à vous.
C'est pourquoi ? Vous avez des articles intéressants ? Salut à toi, Rink. Il y a du craft, oui. Tout ce que je porte, c'est du craft. Hop. L'épée en acier, tu vois, de maître de loup. Hop, l'épée en argent, de maître de loup. Tu vois, tout ça, c'est du stuff crafté. Améliorable. Les plantes, tu les as trouvées avec des quêtes, d'ailleurs. T'as du craft aussi de bombes, d'huile, de potions, etc. Et tu vois ensuite le craft, tu peux faire les glyphes. Là on a vu que maintenant on va avoir un enchanteur, ce qui rend les glyphes un peu useless, mais ça c'est parce qu'on est dans l'extension. Et tu vois, t'as des plans par exemple pour des pantalons, t'as des plans et t'as des compos qu'il faut trouver quand t'as chez un forgeron ou un armurier, et il te construit le stuff, ou tu peux ne jouer qu'avec du stuff que tu vas looter sur les quêtes, comme ça, random quoi. Mais il y a du craft, oui. Bon, on va en profiter pour faire une petite pause là, 5 minutes, je vais me faire chauffer un café, donner un gâteau à ma fille, et je reviens. Voilà, tout de suite. Vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire, je les lirai quand je reviendrai.
vous mangez de l'eau à lui. Et re. Hop. Jade est infime. Continuons de chercher. Forcément. Il va falloir se taper les trois, quoi. Oula. Et il faut surtout les ralentir. C'est des putains de vivaces. Donc c'est bien parce que là, dans le bestiaire, on est en train de découvrir les nouvelles créatures. Donc on avait chopé le sanglier tout à l'heure, qui était une nouvelle créature. Alors lui, les bombes classiques, bêtes, ils craignent le feu. Et il faut le ralentir parce qu'il charge. Un créature hybride. Hop. Ensuite, insectoïde. Voilà. Alors ils disent par contre non. Axi. Pour le coup, je préfère les ralentir. Axi, art. Insectoïde. Anogroïde, c'était quoi? On les avait tous vus là. Oui, c'est très complet pour battre les monstres. On nous dit à quoi ils sont sensibles, qu'est-ce qu'il faut utiliser. Et ça, en général, on le trouve soit en les tuant, soit en lisant des livres. Alors, mes amis, si tu lis cette lettre, ça signifie que tu es un homme libre. Je savais que Drakenborg ne te briserait jamais. Je regrette qu'on t'ait désigné à l'époque. Le destin est parfois cruel, pas vrai. Enfin, tu es un homme à présent. J'ai caché ta part du butin dans la grotte. Où on ne nous laissait pas jouer quand nous étions petits. Elle est remplie d'araignées énormes à l'époque, mais il n'y a plus trace de ces créatures. D'après les chasseurs, elles ont migré, faute de nourriture. Ah, ne reviendront pas de sitôt, ou pas. L'endroit est donc sûr, mais les mauvais souvenirs tiennent à l'écart des fouineurs. Ce qui a fait une cachette parfaite pour le butin. Pas tout à fait. Mais bon.
Ah, je me suis fait choper. Le problème, c'est qu'elle me bouge trop vite. Mais ici, t'as. Et... voilà. Okay. Arrête de bouger ça, quoi. Voilà, si ça marche bien aussi, vu que on prend le contrôle. Ouf, c'est un gros bébé ça. C'était un gros bébé. Alors, c'est quel coffre ici? J'ai encore des... ah. Voilà. Alors, on va retourner faire la quête. Enchanteur, apporter le jade. Là, ça va. Hop. On va profiter aussi pour aller réparer tout le stuff parce que là, ça me coûte. Faut mieux garder là, les outils de réparation pour les gros donjons. Ah ben reste. Merde. Putain. Ah. Mais t'en vas pas. Voilà.
Hop, on va. Il y a pas mal de choses. Hein. Ça fait plaisir, une petite extension là. On va TP, on va aller répa, et ensuite on ira voir l'enchanteur. Chat. Mais vous êtes calme. Ouais, tout à fait d'accord avec toi. Bonjour. Jetterai volontiers un coup d'œil. Il te reste un peu de thunes ou t'es ruiné? Non, il te reste 300. Ça pour l'instant, on va les garder. Bon vent. Voilà, on va TP. Hop. On va pas TP bien loin. Perchefreux. Ensuite, on ira à Novigrad. Ouais, vraiment joli, ouais, toujours moche. C'est gentil de passer nous voir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'aimerais passer commande d'une armure. Une armure de sorceleur. Ouais, 356 de réparation. Il y a quand même du stuff à réparer. Bam.
Prenez soin de vous. Alors on peut tout vendre au même marchand, mais c'est quand même conseillé pour ceux qui arriveront entre temps. Vendez les épées aux forgerons et vendez les armures aux armuriers, vous en proposeront toujours un prix plus intéressant. Essayez toujours de vendre aux marchands spécialistes, quoi. Sinon, on vous le reprendra, mais pas à son meilleur prix. Quoi, il pleut, tu vas ramasser des escargots. Je suis trop content pour toi, mon petit. Va dire ça à ta mère qui pleure. Ensuite, Novigrad. La ville qui ramait à l'époque sur PS4 et Xbox One quand le jeu est sorti. Ça ramait en ville, mais comme dans les marais de Torsichina, ça ramait énormément à l'époque. Et ils l'ont bien optimisé par la suite. Et sur Switch, ça a toujours été correct, quoi. Le jeu a été plutôt bien optimisé dans ces zones-là. Il y a quelques ralentissements, on risque d'en voir quelques-uns. Novigrad, ah, ça me rappelle toujours ma romance avec Triss et le phare. Hein. Donc ils ont fait un feu de joie. C'est normal, on ne peut pas avoir pire temps. Novigrad partant de pluie en général. Effet météorologique, c'est assez violent quoi. Alors. Salutations Hébert. Bonjour Gérald. Qu'est-ce que je peux faire? Lui à la base c'était une quête pour forgeron maître. Pourriez-vous me forger quelque chose? Non, c'est pour commercer. J'ai des épées à te vendre, mon coco. Niveau 32. On va commencer à vendre les... Adieu. Les épées bas niveau que j'ai gardées en légendaire. Parce que là, c'est un peu useless maintenant. Avec les nouveaux crafts qu'on va avoir. La garde du temple vous a laissé entrer en ville. J'aimerais que mon homme ait votre courage pour accueillir mon frère. Eh ouais, mais il a pas mon courage. Non, j'ai pas le temps. On va voir copain Jaskier quoi. Le coffre blindé quoi. Oh, tout ce qui est bas niveau, on va s'en débarrasser. On arrive à charger. Vous voyez que j'ai tellement blindé le stock que... C'est vrai, par contre, là, ça, ils ont eu du mal à le gérer sur Switch, là, quand on blende l'inventaire au taquet.
Normalement, on n'est pas censé blinder l'inventaire autant, mais on voit que ça peine un peu, quoi, pour afficher les stats. Faire la quête. Je trierai les coffres quand je serai pas en live, parce que c'est pas très intéressant pour vous. Mais bon, ça fait partie du jeu, hein. Gérer son inventaire, faire du craft. T'en fais des choses. Salutations, Hébert. Bonjour. Vendre des trucs. Pourriez-vous me faire... Non, commercer. J'ai pas mal d'épées à te vendre. T'as 8000 de thunes, mais... T'as 8900 même. On voit que je l'ai vite ruiné quand même. Adieu. Avec tout le stock que j'ai de la thune. Hein. Mais le problème, c'est que sur PC, il y avait un code pour que les marchands aient le pognon illimité. Merde, je me suis trompé. Tandis que sur console classique, il faut attendre que les PNJ aient de nouveau de l'argent. Donc il faut passer du temps, il faut méditer. C'est assez chiant, quoi. Bon, voilà, ouais, petite astuce, si vous manquez de thunes, n'hésitez pas à ramasser énormément. Mais vous voyez qu'après la thune, vous en manquerez pas. J'ai 60 000 de thunes. Surtout quand on sera dans l'extraction Blood and Wine, quand on aura notre domaine à Corvo, je crois. Ça coûte des sous. Surtout si on veut faire très vite des housing. On me demandait tout à l'heure s'il y avait du craft, oui. Et à partir de la deuxième extension, on a du housing aussi. On gérera notre petit domaine, notre petit vignoble même, pour être plus précis. Mais ça sera un peu plus tard sur la chaîne. Ah, c'est panorama. Alors. Là, il pleure, là. Il s'est installé là-bas. Il est prêt à travailler, comme dirait l'autre. Là, il est prêt à travailler quand il est chanteur. Mon portefeuille va souffrir. Vous avez fait bon usage de mon or, à ce que je vois. Quelle joie de pouvoir à nouveau pratiquer mon métier. Merci. Quoi de rien. Mais de rien. Alors, ça avance bien. J'ai déjà forgé quelques runes mineures pour me replonger dans le bain. Hélas, les outils et les ingrédients dont je dispose limitent mes possibilités. Vous êtes en veine. Je vous ai trouvé du jade. Tenez. Je vous remercie. N'hésitez pas à contempler mes travaux. L'enchanteur peut améliorer vos objets en leur insufflant des mots runiques et des mots glyphiques, ce qui rend en fait totalement useless les pierres qu'on utilisait dans le jeu de base. Pour enchanter un objet, accédez au menu enchantement.
Donc là, montrez-moi les marchandises, tu vois, améliorer. On va faire un peu de blabla d'abord. Vous vous plaisez dans les royaumes du Nord ? Beaucoup. Je ne me lasse pas de vos immenses forêts et de vos ciels aux mille couleurs. En revanche, les Nordiens sont bien singuliers, avares de mots, renfermés sur eux-mêmes. Et vos routes sont infestées de bandits. Mais la guerre en est la cause, j'imagine. Alors, on va payer 10 000. Je vous apporte de quoi améliorer vos outils. Mille merci, sorceleur. Ça fait 15 000. Hein. Votre générosité vous honore. Votre travail en vaut la peine. 15 000 de thunes. Allez, bim. Paye. Combien? Ça fait une sacrée petite somme quand même. Vous n'avez pas chômé, dites donc. En effet, des artisans de Novigrad ont créé pour moi de nouveaux outils qui m'ont coûté plusieurs bras et jambes. Mais je peux désormais travailler sans contrainte. J'ai créé des runes, des glyphes et des schémas qui pourraient peut-être vous intéresser. Jetez donc un œil. Et il commence à mettre du matos là. Donc maintenant, il ne vous manque plus rien. Vous voulez dire pour forger de véritables runes de maître ? Allez. Hélas, si. Pour cela, une forte somme est encore nécessaire. 15 000, allez, vas-y, Toto. J'ai apporté de l'argent. J'espère que c'est suffisant. Pour les outils, oui. Mais il me manque encore des ingrédients rares pour... Non, pas question. J'arrête les frais. Montrez-moi plutôt ce que vous avez fait de mon or. Putain. 25 000 plus 15 000, ça fait 40 000 plus 5 000, ça fait 45 000 de thunes. Allez, toute ma fortune, quoi. Ouh. J'ai tout ce qu'il me faut. Ah. Vous êtes sûr? Hormis les frais courants, bien sûr. Des sommes dérisoires. Et je n'ai plus besoin de pierres rares. Merci. Je commençais à ne plus y croire. 45 000, tu m'étonnes. J'ai là un tonneau de vin de mon pays natal. Trinquons à notre pays. Ouais, à mon pognon, ouais, surtout. À votre santé, sorcière. Je suis pauvre. Encore merci. Il va falloir que j'aille piquer dans tous les tonneaux du coin maintenant. N'hésitez pas à examiner mes dernières créations. Ah bah oui. Si vous le souhaitez. Ben oui. J'aimerais jeter un coup d'œil à ce que vous avez. Tu m'as un peu ruiné, quoi. Putain, ça va 35 000 de thunes, je suis pas non plus à peine, là, quand même. Pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment ramasser tout et n'importe quoi pour faire de la thune, parce que entre... l'enchanteur et le domaine, on claque un pognon là-dedans, quoi. Mais bon, c'est la finalité du jeu, j'ai envie de vous dire. Alors, 12. Hein. Mais bon. Quand on sait ce qui se vend bien, après. Après tout se vend, j'ai envie de vous dire. Hein. Mais ça va, il me reprend les ingrédients, donc... Hein. Alors, 27... Bah, par contre, le diméritium, je le vends pas, parce que ça... Ah, on s'est refait un petit peu de thunes. Donc on voit qu'il a l'artisanat classique. Ça c'est ce qu'on faisait à l'époque dans le jeu de base. C'est-à-dire des runes. On voyait par exemple qu'au maximum ça faisait
10% sur un signe, etc. On dit que maintenant, on a accès à l'enchantement. Donc on peut ajouter des emplacements. Aucun objet pour moi. Ouais, ça, c'est parce que je les ai pas. J'ai sur moi les objets. Alors, mots runiques et glyphiques. Vous pouvez enchanter des objets à l'aide des mots runiques et des mots glyphiques. Ces objets ne peuvent utiliser simultanément des mots runiques et glyphiques. Lorsque vous enchantez un objet, toutes les glyphes et pierres runiques actuellement appliquées sont détruites. Alors, les objets pouvant recevoir des mots runiques ou glyphiques et donc être enchantés apparaissent ici. Seuls les objets possédant 3 emplacements peuvent être enchantés. Là aussi, ça c'est un gros problème, il faut 3 emplacements. Donc faut vraiment faire du stuff de maître, quoi. Ça c'est la liste des enchantements disponibles. Ça va améliorer armes ou armures. Et là c'est une description et le prix de l'enchantement sélectionné. Parce qu'en plus ils utilisent des pierres. Donc il faut quand même farmer les pierres de base, quoi. Les enchantements sont dotés de niveaux différents. Un enchanteur ne peut améliorer l'objet de votre choix que s'il atteint le niveau supérieur ou égal à celui d'enchantement qu'il tente d'appliquer. Les enchantements de la liste peuvent être, ajoutés, supprimés et filtrés. Alors on peut mettre de la fougue. Quand votre vitalité est au maximum, le regain de vitalité est converti en dégâts supplémentaires. Donc ça en gros c'est full vie, tu tabasses. Alors là c'est chaque coup non paré augmente la durée des effets de potion. Quand vous lancez un signe, vous dépensez un point d'adrénaline pour charger la prochaine attaque de votre épée avec le pouvoir de ce signe. Ça c'est pas mal, ressourcement. Rajeunissement, chaque coup fatal vous rend 25% de vigueur. Ça c'est pas mal aussi. Rupture augmente la portée de tourbillon. Ça par contre... Alors attends, sur quoi... Alors sur les épées. Alors je peux pas le faire encore pour l'instant. Est-ce qu'il faut que je les enlève? Faut pas que je les ai sur moi, peut-être. Au revoir. Hop, je me rappelle plus trop ce moment que j'ai pas enchanté. Je suppose que c'est comme pour le craft. Hop. Il faut enlever le stuff. Oui, soit là. J'aimerais jeter un coup d'œil à ce que vous avez. Alors là maintenant on peut le faire. Donc on a dit sur... alors c'est quoi l'épée en argent? Quand votre vitalité est au maximum. On va faire mal d'entrée, on va mettre de la fougue. Voilà, donc là on a mis de la fougue. Sur l'épée en acier. Chaque coup fatal. On va mettre du rajeunissement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les coups fatals, pérennité, les bonus conférés par les établis d'armurier et les meules aiguisées n'expirent plus. Ça, c'est quand même pas mal, pérennité. On voit qu'il me manque des runes en fait. Alors confère 30% de chance de renvoyer une partie des dégâts à l'attaquant.
Ouais, ça c'est des grosses glyphes que j'ai pas encore crafté ça. C'est des glyphes supérieurs. Ça on reviendra plus tard. Il faut des... Parce que je pense pas qu'il en ait à vente lui, de ces grosses glyphes. Hein. C'est du craft normalement. Ah si, il les a. Il les a. Mais à mon avis, il doit les vendre un bras. 1400 unités quoi. 1400, ouais. C'est un peu cher. Mais bon, on peut se le permettre. On va regarder s'il n'y a pas une glyphe qui pourrait nous intéresser. Alors, confère 30% de chance de renvoyer partie de dégâts. Toutes les pièces d'armure équipées sont considérées comme des armures légères. Ça, c'est quand même assez pété aussi. Quoi. On peut porter du stuff lourd en gardant le truc d'assassin. Quand un adversaire sous l'emprise de l'Axi meurt, les ennemis enflammés par Ini explosent un mourant et embrassent les ennemis plus chauds. Irden affecte. Les ennemis sous l'emprise de l'Axi augmentent de 2 secondes. L'attaque basique d'Ini touche tous les adversaires dans un rayon. Toutes les pièces d'armure équipées sont considérées comme des armures intermédiaires. Un début de combat, ça c'est protection. Toucher l'ennemi avec A réduit sa vitesse. Toutes les pièces d'armure équipées sont considérées comme des armures lourdes. L'ennemi est fané par Ini. Pour ça, je sais pas trop, on verra ce que je mettrai par la suite. Hein. Ah, déjà sur l'épée, c'est pas mal. Au revoir. Surtout qu'on va débloquer d'autres plats. Donc là, on le voit sur les épées, ce que j'ai. Chaque coup fatal vous ramène 5% de vigueur. Et l'autre, c'est regain de vitalité. Converti en dégâts supplémentaires jusqu'à 50% de votre prochaine attaque. Voilà, là on est bon. Alors au niveau des quêtes, on va pas tarder à se quitter, mais donc on de... la quête principale c'était Oxenfur, c'était dans les égouts niveau 32. Le reste. C'est du niveau 32-33 aussi. Et ça, c'était deux quêtes que je devais finir du jeu de base. Ouais, on va se déplacer à pied tranquillement vers Oxenfur. Et on se quittera quand on arrivera à la ville. Et on reprendra. Vous savez qu'il y avait un coffre derrière là. Non. Et mon gars, hop là, on joue à saute-mouton. On va sortir un peu à blette quand même. L'autre côté du château.
Mais bien bête, ces bavards là. Plus vite. Faire le tour complet par là-bas. Ouais. Mais reste là, Blette. Hein. Tu vas pas vouloir traverser, toi. Ça me dérange pas. Remonte le cours d'eau. Qu'est-ce que ça va être encore? Hein, être une bébête volante encore. Hein. Une Weaver. Là. Weaver. Là. Elle a pas l'air contente. Hein. Encore les grosses patates quand même. Je sais pas si vous avez vu les scores affichés, mais. Ça colle des grosses baffes quand même. Alors, faut remonter. Un nid de draconide, je devrais le détruire. Ah ouais, faut mieux. Oh, pauvre bête. Alors. On fait un petit tour de la nature avant d'aller dans les égouts d'Oxenfurt. On s'oxygène un peu les poumons.
Allez, encore une, ici même. Hein. Les Weavers, là, ça y va, quoi. C'est quoi, un trésor caché? Non, même pas une île monstre. Ah non, c'est un fouinard. Bon, ça va, il est niveau 30. Hein. Normalement, il faut mal avec la queue, c'est con. Ah, il est bon. Ma rune est tabasse quand même. Que ma rune est tabasse. Un nid de draconide, je devrais le détruire. Ouais, t'as raison, Geralt. Détruit, détruit, détruit. Fais péter, comme dirait l'autre. Ouh, un saphir. Une échelle de corde, ma foi. Pour espadre. Hop. Du poisson séché, magnifique. Alors, hop. Ah, c'est musique, hein. Personne en détresse. Hein. Je sens qu'on va rigoler par contre. Hop. Attends. Piquer les trucs déjà. Le grison, quoi. Tiens, prends ça pour du grison. Alors, ça brûle. Et non, raté. Toi, je sens que t'avais envie. Hein, dis-moi le. Ah, salopard. Bah, à force de faire le malin, je l'ai pas touché une seule fois. Ouais, lui, par contre, il m'en a collé une, quoi. Tu vas crever. Voilà. Toi. Merde, j'ai plus d'axi, quoi. Tiens. Allez, tiens. Ah, coupe en deux, quoi. De rien, de rien, de rien. Bon, je ramasse les morceaux maintenant. Ouh, c'est un truc sympa, dis donc. L'autre, il est mort dans le fourré là-bas. Et là, il est où? Il est là, hop. En plus, il avait qu'une matraque, ce con. Alors, est-ce qu'il propose quelque chose de sympa, lui? Logiquement, quand tu les sauves, c'est toujours un truc intéressant. Non, bah il avait des gants, en fait. Ça te dérange pas, hein? Je me sers. Merci. Vous allez bien? Oui, merci pour votre aide. Je m'appelle Philibert. Ouh, magnifique. Mais tout le monde m'appelle... Ah, Maître T. Ça aurait pu être Monsieur T, mais... Des champignons? Une herbe, peut-être? Ouais, montre. Montrez-moi ce que... Si t'as des sous, je te vendrai. Ouais, t'as 200 de thunes. C'est pas avec ça que je vais me refaire, mais bon. On va quand même te vendre un petit peu de...
Ah, on a ruiné le monsieur. Merci. Oh, merci mon brave. Au revoir. Alors. Un petit peu d'hors piste. Ah, il va pas où. Et sa tablette, hop là. Elle est pas tout terrain quoi, elle a pas mis ses sabots quoi. Les traces, hein. Je sais que j'aime pas. T'aimes pas les bestioles. Hop. Et qu'on tourne le village, c'est pas notre priorité. Et elle veut pas sauter. Allez, saute. Voilà. Là, on arrive à Oxenfurt. Du nerf, Ablette. Là, c'est normal. Dès qu'il y a un temps de chargement, de sauvegarde, il y a un petit comme ça. Voilà, Oxenfurt. C'est là où on va se quitter pour ce soir. Et normalement, on reprendra demain soir. Et cette fois-ci, on affrontera le monstre dans les égouts. Voilà, on s'arrête à l'entrée, donc c'est pur. Mais écoutez, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire, à liker et à partager la vidéo. Merci à toi, Thomas, et tous les autres qui seront passés ce soir. Et je vous dis à demain pour la suite des aventures de Geralt. Gianni.